Hey, salut tout le monde! Commencez par vous parler de quelque chose aujourd'hui qui me tape un peu ses nerfs. Moi, c'est quand je fais mon épicerie. Écoute bien ça. Là, il y a un petit reflet dans mes lunettes, là. Je sais pas tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, mais ça me tape ses nerfs un peu. Ok? Là, regarde, vous allez vivre avec, esti, parce que ça me tente pas de faire mon histoire. Hein, il fait beau, esti. Bon, une fois, il neige pas, tabarnak, on va essayer de vivre avec. Pour quand je vais à l'épicerie, là, écoute bien ça. Mon panier est plein, ok? Mais on va pas à la première caisse, là, où c'est que ça dit 12, 12 items, esti, pour aller à cette caisse-là, ou mais on va pas à la caisse avec la petite balance, là, la caisse de automatique tout seul, là, que toi-même, tu scannes tes affaires, puis non, non, là, mon panier est plein, là. 200 affaires, mon esti panier, mais allez voir la petite madame tout seul, à caisse 32, esti, puis elle va m'aider, hein? Mais là, c'est fini, là, j'ai mes sacs à réutilisables, tu sais, un bon pour la planète, on fait toutes mes affaires, m'en va chez nous, c'est bon. Semaine prochaine, je reviens, besoin d'une coupe d'affaires. Je viens d'aller faire mon épicerie la semaine d'avant, fait que là, pas besoin de 56 000 affaires encore, là. Rien que besoin d'une coupe. Fait que là, m'en va acheter 2-3 sacs, tu sais. Compte mes affaires, mon panier, ben oui, tout est appartenant, j'ai pas grand-chose, du lait, de la bière, tu sais, les essentiels, les petites affaires, du pain, des œufs, environ 6-7 affaires. Ma caisse numéro 1, où ça dit 12 items, hein? Ça dit 12 items. La petite madame en avant de moi. Avec ses 42 sauces tomates, esti en spécial, ses 32 fucking papiers de toilette, pis ses 26 Scott Towel. 12 items. Pis là, la petite caissière, elle dit pas rien, elle. Madame, êtes-vous sûr que vous avez pas rien de votre panier? Pas en dessous du panier, le problème, c'est dans le colis du panier. Ben trop d'affaires dans son panier. 12 items. Hein? T'écris. Ben oui, c'est écrit des deux bords en plus. Tu peux lire du côté en rentrant, puis qu'elle arrive de l'autre bord. Des deux bords, c'est-tu. Elle est là, sa caisse numéro 1, la caissière. Elle devrait savoir que c'est 12 items, sa caisse numéro 1. Je sais, la caisse rapide qu'elle appelle, hein. Elle est pas rapide ta crise de caisse si tu laisses la madame avec ses 46 sauces tomates en spécial. Moi, j'attends, là, avec mes essentiels, là, hein? Puis j'attends. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Puis là, c'est pas rien que ça, là. Là, la petite madame, elle sait pas comment payer, là. Je peux-tu utiliser ma carte avec le tap, là, le PayPass? Non, non, c'est pas même ça marche, là. Là, si t'es pas prêt de l'utiliser, ton assiette d'affaires, parce que ça vient de te coûter 300$ pour tes 12 items, là. Quand t'en avais pas 12 pantoute, là. Là, va falloir que tu utilises la puce. Mais là, elle sait pas qu'il y a une puce, là. Elle essaye d'utiliser le slide. Le slide. Madame, la bande dans l'intérieur. Anyways, y'a plus personne qui utilise la fucking bande, ok? Là. Mets ta puce. Là, elle a sa Mastercard avec la petite planète dessus. C'est pas la puce, ça. C'est la petite planète. C'est le signe. C'est l'emblème de la carte, ok? Là, elle va mettre la petite planète dans la machine. C'est pas la planète qu'il faut que tu mettes dans la machine. C'est ta fucking puce. Ta puce. Madame, la carte est pas bien rentrée. Je sais qu'elle est pas bien rentrée. Pèse dessus, petite folle. Elle est à l'envers et tout. C'est toi ta signature, là. C'est parce que ta carte est pas du bon côté. Moi, là, ça me fait assez chier, là. Écoute, tu. 12 items, hein? Ça, c'est un affaire. Ça, c'est un affaire, ok? Là, on a aussi la personne, ok? Écoutez ça. Il y a environ 4 caisses. Okay? Environ, d'habitude, c'est même 4 ou 6, là, dépendant de la place que tu vas. Les petites caisses automatiques que tu décides, que tu toi-même, tu scannes ton item, puis que tu le mets sur la pesée, la fucking balance. Okay? Parce que tout le gros rond qui est à côté, carré, dépendant du site que tu t'en vas, là, ça dit déposer votre item sur la balance ou dans le sac. C'est ça que ça dit, hein? Ça dit veuillez déposer votre item dans le sac. Y'a pas de sac, esti! Faut que j'y paye les sacrements de sac! 10 cents le sac! Même si j'ai mon sac, ils me disent de le mettre dans le sac! Ben regarde l'affaire, moi, là, après avoir scanné mon item, y'en a pas de sac. Là, écoute ça. Moi, j'ai quelqu'un qui achète du beef jerky ou quelque chose qui pèse pas ben ben, là. Ça pèse une coupe d'once, là, pas plus. Pip! Elle met là. Mais déposez votre item dans le sac. Pas trop, mais le mettre. Je sais comment ça marche, pas débile, moi, là. On le met là. Veuillez déposer votre item dans le sac. Ben oui, moi, là. Veuillez déposer votre item dans... Alright.
Ben, me scanner le prochain, là. Tup. Non, veuillez déposer votre... Sa caméra, il est là, c'est ma faute s'il pèse. Fuck all, l'estie item. T'arrêtes des hosties, j'achète jamais ça, là, mais... Exemple, ben, je sais pas, moi, un petit sac de chips, qui achète ça, hein, ouais. T'achètes ça. L'affaire, il pèse rien. Ça n'a pas de poids, esti, c'est comme... Tu payes pour fuck all, hein, c'est léger. Tu peux pas le mettre sur la balance. Elle vaut pas l'estie de balance en métal des années 80. L'estie de grosse affaire. Veuillez déposer. Là, faut que la fille, elle vienne t'aider. Oui, oui, on a besoin d'un superviseur, s'il vous plaît, à la caisse 43. Ah ouais, là, t'attends. T'es pris là, puis t'attends. Tu vois bien, je l'ai mis sur la balance, hein? Oh oui, c'est pas vous le problème, monsieur. Merci. On a peut-être que vous changez votre calice de fucking système à la marde, parce que... Ben genre 9 fois, j'ai mis cette crise de balance, là. Attends, j'ai scanné mon item, là, il est là, la superviseur s'en vient, va dire que tout est correct. Elle fait rien, là. Elle met sa petite carte dans la machine, elle pèse le piton, tout est bon. Je continue, fais mes affaires. Hein? Puis là, je scanne ma bière. Mais c'est ce que vous pouvez montrer vos cartes, là? Non, ils font jamais ça, mais faut qu'ils viennent pour peser oui, la personne de 18 ans et plus. OK. Mais là encore, tu me fais perdre 5 minutes parce que t'es pogné avec la petite madame en arrière qui sait pas comment scanner un item. Puis elle scanne un item, elle met dans son panier. Elle scanne un item, elle met dans son panier. Elle scanne un item, elle met dans son panier. Faut que tu le mettes dans le sac! Pas dans le panier! Dans le sac! La balance! Le sac! Pas le panier! Le panier! La balance! Le panier! La balance! Le sac. Hein? Elle la met dans le sac, dans son panier. Non, le sac, la balance. Puis là, elle prie avec elle pendant 10 minutes. Moi, j'attends juste qu'elle vienne accepter que j'ai 18 ans pour acheter de l'alcool. La prochaine fois, ben, aller au dépanneur acheter mon esti d'alcool, puis mon lait, puis mon pain, puis ça va me coûter 30$ pour les 3 items. Ben, de la bière, c'est pas mal ça, là. Fait que dans le fond, non, ça va me coûter 80$ parce que c'est fucking trop cher d'un dépanneur, OK? Mais les épiceries, là, faut que vous changez votre système, là. Faut que ça dise 12 items en plus gros, puis que la caissière ou la caisse numéro 1 rapide, elle explique à la petite madame avec ses sauces tomates. Madame, désolé, vous avez pas 12 items. Je vais devoir vous envoyer à la caisse 2 ou plus haut. Aller dans toutes les autres caisses, mais pas la mienne. Regardez le monsieur en arrière. Lui, si on compte bien, il y a 7 items dans son panier. Lui, c'est compté. Désolé si vous êtes retardé, madame. Si vous êtes... Si vous ne savez pas compter. Hein? On va... C'est pas méchant, là. Mais c'est juste... Tu fais quoi, là? Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu veux? C'est pas dur, hein? C'est vraiment facile à compter jusqu'à 12. Je ne suis pas... espagnol, mais je peux compter jusqu'à 12 en espagnol. En... Je sais pas. Uno, dos, tres... En tout cas, même si t'es anglais, tu sais compter jusqu'à 12, d'habitude. Hein? C'est pas facile, c'est pas dur. Si vous me posez la question, pourquoi il y a pas de porte en arrière dans mon gars de manger, là? C'est pas un gars de manger, mais c'est pas votre problème, OK? Il y en a juste pas des portes. Pas de porte. Hey! Si vous autres, tout, là, les... Caisse express, les caisses automatiques tout seul. Je sais pas comment ils appellent ça. Self-service. Si ça vous tape ses nerfs, là. Vous êtes dans le même bateau que moi. On va ramer ensemble jusqu'à la sortie. Si la petite madame est comme assez vite pour. Pour qu'elle vienne accepter que j'ai de la bière, là, on pourra sortir ensemble. Sinon, on va sortir l'année prochaine.